Sierra, sergent Sierra. Toi aussi tu me manques. Sierra. Attends deux secondes. Retournez-vous. Voilà, c'est bien. Lâchez votre téléphone. C'est très bien. Maintenant, écoutez-moi. À vos ordres, chef. Je vous écoute. Aujourd'hui, tu vas jouer à Black Ops 2. En trois dimensions. D'accord. Oui. Tu vas faire un carnage. Comme vous pouvez le voir. Oui. Oui, oui. Présente-toi. D'accord. Je m'appelle Sierra. Je fais partie du 9e régiment du fromage blanc. Et aujourd'hui, je vais jouer dans les conditions réelles de l'armée militaire. J'ai 15 kilos dans le dos. J'ai une mitraillette, une arme de poing, un micro pour parler au chef. Ouais, pour me parler, ouais. Des lunettes 3D pour être encore plus dans l'action. D'ailleurs, munissez-vous de vos lunettes 3D. Et une casquette au cas où il pleut et des gants pour être plus au chaud parce que dans notre pays en ce moment il fait froid. Voilà, c'est très voilà, bien. Voilà, ça vous a plu, chef? Ah oui, super. Ah oui, j'en étais sûr. T'inquiète. Et on se revoit tout à l'heure. Ouais, un petit resto. Ouais, t'inquiète. Ouais, ouais mais faut pas le dire. T'inquiète, ouais, ouais. T'inquiète. Bah oui. Ouais. Ouais. À l'heure. Allez, c'est parti. On va jouer à Black Ops 2. Donc B, on se retrouve avec une manette d'Xbox 360 et des gants de moto énormes. Donc je vais jouer avec ça. Tout en 3D, donc... attendez, c'est parti, on va lancer. Donc trouvez-vous des lunettes rouges et bleues. Vous savez, les lunettes qu'on avait dans les boîtes de céréales. Ou dans les DVD, n'importe. Hein. Et donc là nous sommes sur cargo en point stratégique en face commentary avec des gants énormes, le sac de 15 kg. Oula. Allez, c'est parti. Ok, alors avec le stick c'est un peu chaud quand même. Si je fais un kill. Oh punaise. Et puis ça me gratte. Le son est un peu fort. Hop. Allez, c'est reparti. Donc, ok. Nous sommes en point stratégique sur la map cargo sur Call of Duty Black Ops 2. Oula, ça fait mal. En 3 dimensions. Donc, oula. En 3D anaglyph, donc avec le rouge et le bleu. J'essaie de l'avoir, celui qui était là. Et puis c'est pas grave si la partie a déjà comment. Ah non mais non, elle a déjà commencé avant, c'est pas très très grave. Moi mon. Ah tu m'auras pas une deuxième fois. Donc nous sommes en face commentary. Au cas où il pleut, j'ai ma petite. Oula, j'ai ma petite casquette. Moi je vais vous parler un peu. Un peu du 3 dimensions. Moi je trouve qu'il est pas mal. Sérieusement, il est pas mal. Il pourrait être pire comme il pourrait être mieux. C'est pas non plus le 3D magnifique. Mais franchement, il est pas mal. On arrive bien à distinguer les couleurs. Enfin, c'est vraiment pas mal. Attendez. Concentration extrême. En fait, je sais pas pourquoi. Oula, oula, oula. Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai pris la Vector, mais j'arriverai pas à appuyer sur Start de toute façon. Donc, avec la taille de mes gants, déjà pour diriger le stick, c'est un peu chaud. Faut que je tienne ma manette assez bizarrement. C'est quoi ça? C'est un allié. Bon, je joue pas trop les objectifs, je suis désolé, mais en fait, le but c'est un peu de faire du frag pour le défi. Hop, après, on essaiera de changer de classe. Le truc c'est que j'essaye de recharger. Voilà. Le truc, ce qu'on va faire, ça va être de tuer déjà cet ennemi-là. Ok, il nous a tué. On va essayer de changer de classe. Oula, j'ai appuyé sur plein de touches en même temps. On va prendre elle, la PDW. Donc, j'espère franchement que, vous savez, le petit début, là, l'espèce de petit sketch au début de la vidéo vous aura plu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça, franchement, parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de déconner et tout. Et donc, je l'ai fait, je suis assez fier de moi. Attends. Oh, toi, je t'ai eu. Oh là, dommage, j'aurais pu me faire la double. Enfin, la double. La. Attendez, c'est quoi comme arme ça? Ok. La PDW.
Voilà, franchement, j'espère que le début vous aura plu, et j'espère aussi que le face commentary et le gameplay vous plaît aussi. En tout cas, moi pour l'instant, je m'éclate. Waouh. Pour l'instant, je m'éclate. Le truc, ce qu'il faudrait, c'est un ennemi. Je fais la technique de s'allonger, de faire le kill après. Ok, il n'y a plus personne. Merci. Le truc, c'est que. En fait. Oula. Avec mon pouce, j'ai vraiment du mal à tourner comme ça là. C'est vraiment dur. En plus, si je me fais quickscope. Attendez, drop shot. Oula. Toi, je sais que tu vas arriver. Non, même pas. Je vais venir chercher mon petit choupinou. Voilà, le gardien, il a. Ah! Ouh, le prédateur, il était sur moi, je comprends pas. Franchement, c'est assez chaud. Faites le défi chez vous de. Merde. De mettre des gants de moto. Et utilisez votre manette. Et mettez-vous, je sais pas combien de pulls sur vous et un équipement de 15 kg dans le dos. Et je peux vous assurer que c'est très très chaud. On dirait pas comme ça, mais. Oh, le drop shot! Ouh! On dirait pas comme ça, mais c'est dur. J'essaie de faire la killcam finale. On dirait pas comme ça, mais c'est super dur. Et en fait, j'aimerais bien baisser le son parce que depuis tout à l'heure, je m'entends pas trop parler. Hop. En fait, depuis tout à l'heure, il était à fond. Hein, j'avais toujours pas capté. Donc, essayez de jouer comme ça avec des gants, 15 kg sur le dos, une petite casquette, les petites lunettes 3D et tout. C'est un défi assez drôle. Par contre, pour se déplacer, c'est un peu chaud. Donc là, j'ai gagné la crosse réglable. Je pense que je vais faire une petite partie, mais en mêlée générale, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de faire un gameplay immense. Surtout que on dirait pas comme ça, mais le 3D anaglyphe, ça tue les yeux, un truc de malade. Là, j'ai super mal aux yeux, ça me picote. J'ai super chaud. Vous rendez pas compte à quel point j'ai chaud. En plus, on est sur une map que je déteste, là, standoff. Ah. Bon, allez, c'est parti, PDW 016, tranquille. Puis on finira la mêlée générale, et puis après. Hop, ok. Bon, bah, si ça commence comme ça, les amis, ça commence comme ça, hein. Moi, je suis plus. Je sais pas ce que je veux dire, ok. Ennemi en approche. Oh, toi, je t'ai vu. On va essayer de jouer au sniper. Hop, drop shot. Ok, bon bah tant pis, pas le sniper aujourd'hui. Sérieusement, je dois franchement vous avouer que c'est vraiment dur avec les gants. Mais j'entends un petit peu parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi le micro de la Xbox là. Je sais pas si vous voyez, j'ai aussi le micro de la Xbox, donc j'entends que d'un côté en fait, parce que je suis dans les conditions in real life de. Toi, je t'ai vu. Ok, de l'armée militaire, lui j'aime bien son titre, la Call of Duty. Le Call of Duty, enfin voilà, vous avez compris. Joli petit double feed de Brock. On s'en fout, c'est qu'une double. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve des ennemis pour au moins essayer d'avoir un bon score. Là, normalement, il devrait y avoir quelqu'un. Eh ouais, tu fais quoi toi depuis tout à l'heure? Ah non, ça, tu venais d'arriver. Toi t'es là. Ah, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Donc, ah oui, je vais vous parler d'un truc. Vous savez sans doute que j'ai join une team il y a un mois et demi maintenant. Donc la Crazy Family. Si vous connaissez pas, enfin si vous n'êtes pas abonné, franchement allez vite vous y abonner directement. Franchement. Dans cette team, on s'éclate. Je pense pas, mais. Attendez. Je suis concentré. Je pense qu'avant cette vidéo, je mettrai le best-of des meilleurs moments. Des crazy moments. De il y a une semaine. Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Des crazy moments, franchement, c'est vraiment des barres. Je vous conseille franchement cette chaîne. Allez voir un peu ce qu'on fait. Et donc voilà. Donc un petit coucou au passage à tous les membres. Waouh, 104, il m'a. Oula. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? T'as la pêche? Oula! Allez, vengeance.
Ok, allez, je commence à avoir des crampes au pouce, c'est un peu horrible. Donc le truc c'est que... Non, toi je t'ai vu. Putain, j'ai des vieux réflexes avec ses gants. Soit avec ses lunettes. En fait, quand je disais ça... ça n'arrange pas... Enfin, on voit pas trop la différence entre les vraies couleurs. Si un peu, parce que j'ai l'impression que l'écran il est un peu couleur froide. Et pas chaude. Enfin, Black Ops c'est surtout des couleurs chaudes. Mais là je vois un peu les couleurs un peu bleues. Bleu rouge. Oh, t'as voulu drop shot, t'as réussi. Bien joué. Surtout très mal au pouce, les gens. C'est un truc de malade. Et toi, je t'ai vu. Oula, 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 oula. Drop shot, t'es où? Ok. Bon, bah écoutez, là voilà. C'était la fin, voilà. Donc, j'espère franchement que ce face commentary vous aura plu. Maintenant, je peux peut-être enlever ça. Que ce face commentary vous aura plu. Puis je vous dis la prochaine pour une prochaine vidéo encore plus fun ou aussi fun que celle-là. Je vous promets. Bon allez, salut. Salut les gens. Ah, c'est galère ça.